es digne d'honneur, Seigneur. Tu en es digne, roi de gloire et Seigneur des seigneurs. Je te célèbre ce matin. Je te loue pour la vie. Je te loue pour le mouvement. Je te loue pour les capacités physiques. Je te loue pour la respiration. Oh, sois glorifié, tu es élevé. La Bible dit que le nom de Jésus est au-dessus de tout le nom. Le nom de Jésus, pas le nom d'un marabout, pas le nom d'un féticheur, pas le nom d'un margouilleur, non, le nom de Jésus. Oh, ce matin, le nom de mon Jésus est au-dessus de tout le nom. Le nom de mon Jésus, mon sauveur, il est au-dessus de tout le nom. Élève le nom de Jésus. Élève le nom de Jésus. Comme on a Yesu, Ezali Kolo Yaba Kombonyos. Comme on a Yesu, Eleki Ba Kombonyos. Comme on a Yesu, Ezali Kolo. Ezali Kolo. Ezali Kolo. Oh, Ezali Kolo Yaba Kombonyos. Comme on a Yesu. Comme on a Yesu. Comme on a Yesu. Yesu. Yesu Kolo. Kombo na yonde, eleki kombo nyoso, oye koeko tangama, nasea moi, nasea moi, nasea mabele, likolo, kombo na yesu. Oh, j'élève le nom de Jésus, j'élève le grand nom de Jésus, j'élève le puissant nom de Jésus, j'élève le grand nom de Jésus, mon Seigneur, mon Sauveur, je t'élève, Jésus sois élevé. Yesu, Yesu, est-ce que tu veux apprendre à élever le nom de Jésus? Apprends à élever le nom de Jésus. Apprends à élever le nom de Jésus. Élève le nom de Jésus. Tombola comme on a Yesu. Oh, tombola comme on a Yesu. Na tomboli comme on a Yesu. To tomboli comme on a Yesu. Eleki likolo comme on a Yesu. Likolo ya kombo nyoso. Ekiko tangama. Nase ya moi. Kombo na Yesu, likolo ya kombo nyoso, ekoki kotangama. Kombo na Yesu, likolo ya kombo nyoso, oye tangama, nase ya moi, likolo ya moi, likolo ya na mapata, nase ya mai, kombo na Yesu. Kombo, 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 kombo ya Yesu, kombo ya Yesu, le nom de Jésus. Le seul qui nous a été donné, par lequel nous sommes sauvés, le nom de Jésus, le nom de Jésus, plus grand que tous les noms, le nom de Jésus, plus grand que tous les noms, le nom de Jésus, le nom de Jésus, le nom de Jésus, le nom de Jésus, plus grand que tous les autres noms, le nom de Jésus-Christ, le nom de Jésus-Christ, le nom de Jésus. Plus grand que tous les noms, le nom de Jésus. Oh, élève ce nom, élève le nom de Jésus. Élève le nom de Jésus, élève le nom de Jésus. Élève ce nom, élève ce grand nom, élève ce grand nom. Comme on a Jésus Christ. Oh, est-ce que tu peux élever encore plus grand ton nom? Est-ce que tu peux élever plus grand ton nom? Et est-ce que tu peux élever plus grand ton nom? Est-ce que tu peux élever? Est-ce que tu peux élever? Oh Jésus, 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 Jésus. Oh yo, combo yo. Le seul nom qui a été donné aux hommes par lesquels ils sont sauvés, le nom de Jésus-Christ. Le nom de Jésus-Christ. Le nom de Jésus-Christ. Le seul nom qui nous a été donné par lesquels nous sommes sauvés, le nom de Jésus. Le seul nom, le seul nom, le seul nom, l'unique nom. Les seuls noms, les seuls noms que nous avons pour le salut, pour notre délivrance, pour notre victoire, pour notre avancement. Nous n'avons pas le nom des présidents de la République. Nous n'avons pas le nom d'un premier ministre. Nous n'avons pas le nom d'un chef d'État. Nous n'avons pas le nom d'un député. Nous n'avons pas le nom d'un Européen. Nous n'avons pas le nom de la reine. Nous n'avons pas le nom de Biden. Nous n'avons pas le nom de Charles III. Nous avons Jésus. Nous avons Jésus, c'est Jésus. Pour la guérison, c'est Jésus. Pour la victoire, c'est Jésus. Pour le mariage, c'est Jésus. Pour la réussite, c'est Jésus. Pour la paix, c'est Jésus. Oh Jésus, Jésus, Jésus. Pour ta guérison,
Tu n'as pas le nom d'un homme. Tu n'as pas le nom d'une femme. Tu n'as pas le nom d'une église. Tu n'as pas le nom d'une communauté. Tu n'as pas le nom d'un pasteur. Nous avons le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Le nom de la consolation, c'est celui de Jésus. Le nom qui console, c'est celui de Jésus. Le nom qui donne la paix, c'est celui de Jésus. Le nom qui donne la joie, c'est celui de Jésus. Le nom qui fait avancer, c'est celui de Jésus. Pas le nom d'une église, pas le nom d'un pasteur, pas le nom d'un diacre, pas le nom d'un ancien, pas le nom de ton père, pas le nom de ta mère, pas le nom de ceux de ta famille qui sont élevés en politique, pas le nom de tes grands frères, le seul nom, l'unique nom, celui de Jésus. Jésus, Jésus, la Bible dit, il nous a été donné un nom pour être sauvés. Il ne nous a pas été donné deux noms. Il ne nous a pas été donné trois noms. Il ne nous a pas été donné un autre. Le seul nom qui nous a été donné, c'est le nom de Jésus. Jésus, mort à la croix pour nos péchés. Mort à la croix pour mes péchés. Jésus, oh Yesu, Ezakaka Yesu. Yesu, 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 combo oyo, et le kaba ba ane na ba ane, ba siècle na ba siècle, et bon wana kate, nguyana yes et kita kate, combo oyo, et zanga nguyate, combo oyo, et tonda nguya, et za combo na yesu, combo e zana nguya, combo e zana nguya, et za combo na yesu. Kangolaka, eza komo na Yesu, komo efungola kamiso, eza komo na Yesu, komo epesa ka elonga, eza komo na Yesu, komo etambusa kabao bakufa makolo, eza komo na Yesu, komo elonga kabandoki, ndoki mokote, akombo, oye Yesu, ndoki mokote, akote lemela, komo na Yesu, ndoki mokote, ndoki mokote. Ndoki mokote, azana makoki, atele komo na Yesu, komo na Yesu, eza komo anguya, etonda anguya, komo na Yesu, oh Yesu, Yesu, batulelo, baibi ba komo mingi, mokili, mokili, batangi zibiso, ba formule, ba principe, batangi zibiso, leadership, batangi sibiso, affaire, entrepreneuriat, batangi sibiso, technique ya mariage, mais batangi sibiso li esoute, oh Bible lobi, bakobika, na kombo, na Yesu, demo bakokende, na kombo, na Yesu, milimo kokima, na kombo, na Yesu, na kombo, na Yesu, na kombo, na Yesu. Demo azokima, milimo azokima, bami demo bazokende, na kombo moko, kombo moko, kombo moko, kombo na biso, bapesa biso, eza kombo angangate, Yesu, 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 kombo na Yesu, kombo na Yesu, de kombo epesa mena biso, kombo ya kobika, kombo na Yesu, kombo elonga, kombo na Yesu, Kimia, comme on a Yesu. Kimia, comme on a Yesu. Ma technique est bien. Mais Yesu, n'a bongi. Yesu, n'a mérité. Yesu, Yesu. Tosale susunini, tobenga Yesu. Nani, tobenga Yesu. Totale la nani, totale la Yesu. Tobenga nani, tolale toke ne pa nani. Mokili est comme une asuka, comme maman est comme une belle, comme une belle, trahison à gauche, trahison à droite, par relation aux bébés, comme on a Yesoune, et sa tour de sécurité, les tours, la tour de sécurité, les lieux de notre refuge, c'est dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, Rabaye Keba Shele Yassa. Jésus, personne ne peut égaler Jésus. Aucun grand de ce monde, aucun chef d'État, aucun riche. Jésus, Sabaye Dalaye Kabosha, Inde Kalasa Yelele, Mikabole Yaya Bash.
Jésus, c'est mon Jésus. Je n'en ai pas un autre. Je n'ai que Jésus. Je n'ai que Jésus. Je n'ai que Jésus. Jésus. Ce matin, sous cette adoration, tiens-toi debout. Nous allons célébrer la table du Seigneur. Ouvre ta Bible, on va faire une lecture et nous allons partager le corps de Christ. J'aimerais rappeler chaque fois qu'on vous annonce Sainte Cène, tenez-vous debout. Chaque fois qu'on annonce la Sainte Cène, tenez-vous debout. C'est un moment, c'est le moment le plus important dans l'Église. Le moment où on célèbre la mort et la résurrection de Jésus. Alléluia. Chaque fois que ce soit les pasteurs Nelly qui conduisent pendant la Sainte Cène, même si elle ne vous dit pas, tu as dit la CSM, tiens-toi automatiquement debout. Alléluia. Ça va prendre 10 minutes, ça va prendre 5 minutes. Pour nous, on se tient debout par respect. En principe, c'est 10 minutes et nous sommes tous dans un esprit, pas seulement celui qui modère, tous ensemble, dans un même esprit de respect du sang et du sacrifice de Jésus. Alléluia. Alléluia. Donc c'est un acte de respect. On dit, Seigneur, on respecte ton sacrifice. Comme si le chef de l'État, il est encore à, je sais pas, à sa résidence, on annonce qu'il arrive ici, on vous dit déjà de vous tenir debout. Pour l'homme là, à cause des agents de sécurité, les gens vont se tenir debout. Mais pour celui qui dépasse cet homme, arrêtons de nous plaindre à ce sujet. Que Dieu vous bénisse. Exode chapitre 12, 1 et le suivant. Je vais lire. La Bible dit, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier de mois, il sera pour vous le premier de mois de l'année. Quel que soit le temps où on est, chaque fois qu'on célèbre la Sainte Cène, la table, le corps et les sacrifices de Jésus, tu es à mesure de dire, un nouveau départ commence maintenant. Alléluia. Tu mets ta foi en cela, même si okomaki na suka, olobi na bandeli sikoyo. Alléluia. Chaque fois qu'on célèbre le corps de Christ, n'attends pas que le pasteur dise, je prophétise, tu commences une nouvelle saison. Non. La mort, la résurrection de Jésus inaugure une nouvelle saison dans la vie de quiconque croit. Même si tu ne comprends pas, crois seulement. Même si on est déjà en décembre, crois seulement. Même si on est au 1er, au 2 janvier, crois que toi, ton janvier vient de commencer là. La Bible nous montre dans les livres d'Esther que ce n'est pas seulement avec Israël en Égypte, même avec Esther. Alléluia. Car Dieu que nous prions, c'est un Dieu de nouveau commencement. Son temps n'est pas notre temps. Il fixe les débuts quand il veut. La fin quand il veut. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il est le maître des temps et le maître des événements. Les débuts des hommes n'est pas les débuts de Dieu. La fin des hommes n'est pas la fin de Dieu. Les milieux des hommes peuvent être les débuts de Dieu. Mes pensées ne sont pas vos pensées, mes voix ne sont pas vos voix. C'est Jésus que nous célébrons ce matin. Alléluia. Aujourd'hui, j'ai la foi de te dire, arrête de chercher de comprendre. Il n'a pas dit, il a dit quoi seulement? Il a dit quoi seulement? Le miracle n'appartient pas à ceux qui comprennent, mais à ceux qui croient seulement. Oh, ton amen là. Le miracle appartient à ceux qui croient seulement. Pas à ceux qui comprennent. La compréhension a sa place, mais le miracle a comme clé qu'on croit.
Alléluia. Oh, qu'il te soit fait selon que tu crois ce matin. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu, on va sauter cela. Verset 5. Ce sera un agneau sans défaut, symbole de Jésus. Il a vécu dans le monde et il n'a pas commis le péché. Frères et sœurs, il est possible, en croyant en Jésus, de ne pas pécher. Arrêtons de croire, le pasteur dit, la Bible dit qu'il est prêt à secourir ceux qui sont tentés. Frère, ne crois pas un pasteur parce qu'il a vécu une succession d'échecs, de péchés. Dit non, frère, quand quelqu'un croit à Jésus, son passé est effacé, son passé n'existe pas, c'est fini. Ne prêchons pas aux sentiments, ne croyez pas aux sentiments, croyez la parole. Et lorsque vous avez péché, vous avez reconnu votre péché, le Seigneur vous pardonne, il oublie. Laissez les hommes avec le souvenir de votre péché, mais Dieu ne se souvient pas. Ce matin, j'ai dit à quelqu'un, tu es libre de toute culpabilité. Oh, si tu t'es repenti, tu as décidé d'abandonner la culpabilité, fuis ta maison, ton cœur, au nom suprême de Jésus. Oh, est-ce que quelqu'un m'entend? On continue à t'accuser, mais toi, tu as renoncé à cette vie. Je dis que tu as le pardon de Dieu. Crois au pardon du Seigneur. Notre Jésus était sans défaut, il était sans tache, irréprochable. La Bible dit, vous le garderez d'un an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez. On l'immolera entre deux soies. On prendra de son sang. Et on mettra sur les deux poteaux et sur les linteaux de la porte des maisons où on le mangera. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, en ces 12 jours de prière, j'aimerais vous rappeler, on l'a fait pendant J20, ce n'est pas des événements, des circonstances. Dans le monde spirituel, il y a des actes qui ne sont pas inventés par une religion, qu'il faut poser. Sur nos portes, le sang de Jésus dans nos bureaux, frère, ça neutralise la sorcellerie. Les patrons qui sont dans l'occultisme, il ne pourra pas te dominer. Lorsque tu arrives, je déclare sur cette porte le sang de Jésus. J'asperge le sang, je place le sang. Tu vas au marché, je place le sang. À l'école, place le sang tous les jours. Si le Seigneur te met à cœur d'utiliser un symbole comme de l'eau, un liquide, en disant par la foi, je déclare que c'est liquide et symbole du sang de Jésus. Si tu le fais, fais-le avec foi. Alléluia. Mais si tu le dis juste avec les mots, ça va aussi se faire. Est-ce que quelqu'un me croit? Ça va aussi se faire. On n'a pas toujours besoin d'un support parce que la parole de Dieu est créateur de tous les supports. Oh, est-ce que tu m'entends? Désormais, applique le sang tous les jours. Et tu vas voir que les sorciers de ton avenue vont témoigner qu'on n'arrive plus à passer par chez toi. N'attends pas juste qu'on célèbre, on va faire J20 2023. Non, ça doit être un acte quotidien. Place le sang de Jésus sur toi, sur tes enfants avant qu'ils n'aillent à l'école, sur ton mari avant qu'il n'aille au travail, sur ta femme, même si elle est dans la maison. Le sang de Jésus est un signe dans le monde spirituel. Diable, le sorcier ne peuvent rien contre. Quand l'accusateur vient, il voit le sang. Quand les sorciers viennent, il voit le sang. Le sang de Jésus vous épargne de malheur. Alléluia. Ce matin, le sang vous épargne du malheur. Le sang d'un homme, le sang de Jésus. Qu'on prophétise sur toi comme on veut. Mais Dieu te donne la possibilité de changer le cours des événements par le sang.
Lorsque le sang de Jésus est appliqué, le monde des ténèbres est en jugement. Ce matin, par la prise de la table du Seigneur, nous décrétons le jugement de tous ceux qui travaillent pour Satan contre la CCM, ses membres et son avancement. Aujourd'hui, le Dieu des cieux, qui est le même, qui a jugé Pharaon et ses divinités, va juger tous les dieux qui travaillent contre toi pour ne pas que tu apparaisses comme un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu. Ce matin, ils apprendront que le sang de Jésus est puissant et notre Dieu est plus puissant qu'eux. Acclame le roi. Acclame le Seigneur, notre Dieu. Ce matin, commence à élever ta voix. Rends grâce au Seigneur. Dis à Dieu merci. Dis à Dieu merci pour le sang de Jésus. Oh, dis à Dieu merci pour le sang de Jésus. Oh, merci pour le sang. Élève ta voix. Utilise tes mots. Utilise tes mots. Utilise tes mots. Utilise tes mots, Seigneur. Merci pour le sang de Jésus. Merci pour le sang de Jésus. Oh, entendre quelqu'un dans la salle. Pendant que je m'étais, est-ce que je peux entendre? Élève ta voix, ne murmure pas. Élevons nos voix, nous sommes si nombreux, élevons nos voix. Élève ta voix. Non, élève ta voix, on a plus que les chefs de l'État ce matin. Dis à Dieu merci pour le sang. Dis-le avec fierté, dis-le avec dignité, avec assurance, dis-le. Non, je ne t'entends pas. Est-ce que tu élèves Jésus ou tu veux que moi je t'aide à élever Jésus? L'appréciation que tu as, l'appréciation, la manière dont tu honores Jésus, c'est de cette manière que tu vas bénéficier. Là où Jésus n'est pas honoré, sa puissance n'est pas manifestée. Là où Jésus n'est pas honoré, sa gloire est... Là où Jésus n'est pas honoré, pas un cantique, pas un homme. Là où Jésus n'est pas honoré, sa manifestation est limitée. Que tu as
sacrificateur, tu as été aussi le sacrifice. Ce matin, nous célébrons ton nom. Merci pour le corps, ton corps qui a été meurtri, blessé pour mes péchés, pour mes fautes. Tu as été blessé pour que moi et ce peuple soyons totalement libérés de l'emprise de Satan, des malédictions et fautes de prière. Ce matin, nous célébrons ta mort et nous annonçons ton retour. Nous te disons merci, car par ton sacrifice, nous avons été guéris. Élève ta voix, continue à célébrer. Oh, il est au-dessus de tout. Il est élevé au-dessus de tout. Jésus est de tout. Jésus. Oh oui. Au-dessus de tout. Problème de loyer. Dis-le. Au-dessus de ces cancers. Yes. Ce matin, au-dessus du sida, des accusations. Yes. Au-dessus. Ce matin, merci pour ton sang. Afin que nous ne soyons plus propriétés du diable. C'est ton sang qui constitue le prix du rachat. J'ai été racheté, ma famille et toute l'humanité, non par l'or et l'argent, non par les choses périssables, mais par le sang de Jésus. De cet agneau on s'attache. En vertu de ton sang, le diable a perdu toute réclamation sur ma vie. Jésus, merci. Merci pour le sang par lequel nous avons la victoire contre tous les sorciers. Tout sorcier est vaincu ce matin. Tout occultiste est vaincu ce matin. Tous nos ennemis sont en chute ce matin. Comme les dieux d'Égypte, toute divinité qui est contraire à Jésus chute ce matin dans la vie de cette église, dans la vie de mon frère, de ma soeur, de chaque famille ici rassemblée. Nous avons la victoire. Nous avons la victoire par le sang de Jésus. Oh, merci Père. Merci. Alléluia. Tu es élevé. Alléluia. Chante Jésus. 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 Jésus.